avec l'ami qui est en train de se préparer, qui a l'air de se préparer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus, épisode Trek et Nature, mon ami. Nature, ouais. Et là, belle nature. Là, ça va être violent. Retour à la montagne, ça fait du bien. Et par contre... Tu diras pas ça dans une demi-heure. Je dirai pas ça dans une demi-heure, t'as raison. On va être un peu dans la merde parce que... Bon, déjà, il y a beaucoup de monde. Post-Covid, forcément, ça va randonner beaucoup. Et puis, c'est une rando qui est pas forcément facile. On va faire toute la partie... donc on est sur Seillac, on va faire le lac Miroir, le lac Réoutier et le lac Sainte-Anne. On va passer par plusieurs cols, plusieurs pics aussi normalement. Donc un dénivelé annoncé pour un peu plus de 1000, qu'on va faire en deux jours. C'est faisable en un jour mais en étant léger, sauf que vous connaissez notre façon de barouder. Et du coup on va être tout sauf léger. Donc voilà, il fait très chaud parce qu'on a décidé aussi de venir ici fin juillet, premier jour officiel annoncé de la canicule. Donc, eh ben on n'est pas dans la merde. Donc mon ami Christophe, si tu veux bien, on va commencer par la pesée des sacs. Ouais, le traditionnel. Alors regarde le système. Allez. Le système, il est juste ici. Vas-y. On commence à tout seigneur, tout honneur. On va commencer par les affaires qui risquent de piquer le plus. Donc ça c'est mon sac, hein, je précise. Donc nous en sommes... Il faut attendre qu'il starre ou quoi? Oui. Ouais, zéro. Et là maintenant tu le soulèves. T'es pas mal. T'es à 16, 16,30. Allez, 16... Ouais, 16,30. Et un bel effort depuis l'année dernière quand même. Ouais, t'as gagné bien 3 kilos. 3 kilos, j'ai déjà gagné 3 kilos. Par contre... Après, bon, j'ai le sac en poitrine. Bon, mais ça va, je vais être à... Ah, mais t'as triché. Mais j'ai le sac poitrine aussi pour la photo. Oui, j'ai triché, oui. Donc, je suis à 18. 18 kilos, ça va. Ça va. Et toi, mon ami? Mon ami. Mon ami est à 15,30. Comme d'hab. Bon, 15,30, toujours 15 kilos. C'est bien. Je vais pas faire plus. Avec... Avec la partie photo. Et avec ta bière de ce soir aussi, 50 centilitres. Ouais, il faut pas le dire, mais on va un petit peu boire quand même, c'est normal. C'est bien. De toute façon, ils le verront ce soir. Hein, ils le verront ce soir, ouais. Ouais, voilà, on est parti pour deux jours de rando. Ouais. Un bivouac. Et ça va être bon. Ça va être très très bon. Allez, c'est parti. On démarre à peine la rando, hein. Le parking est là, donc pour information si ça intéresse, vous allez jusqu'à la station de ski et vous voyez, GR5 mes amis, une portion du GR5, ça va être bonnard. On démarre à peine, je peux vous dire que ça grimpe salace d'entrée. Ne parlons pas du poids du sac, même si j'ai réussi à le réduire un peu, c'est quand même une catastrophe. Le jour où j'arrive à avoir... Allez, 12 dans le dos déjà, si j'arrive un jour où j'arrive à enlever 4, déjà je serai content. Bon, évidemment, mais Christophe, vous doutez bien qu'il m'a déjà tracé, hein, parce que tant que je m'arrête pour filmer, machin et tout... Sauf que je crois qu'il est déjà mort parce qu'il m'attend. Je suis déjà mort. La voiture est juste en dessous. Je suis déjà niqué. On en est à plus 150 à peu près en positif. En seulement un quart d'heure, même pas. Donc là forcément on met plus de temps parce qu'on est lourd, on est chargé, mais en plus il fait très très chaud. Et là, il y a quelque chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que moi j'ai pris qu'un litre et demi de flotte.
Et là, là, normalement, ici, que vous voyez derrière moi, c'est une cascade. Elle a pas un petit problème la cascade là, les gars? Sans déconner, il n'y a pas un point d'eau, bordel. C'est un peu préoccupant quand même. J'espère qu'il y en aura en haut, parce qu'accessoirement on est censé faire 3 lacs. Il fait déjà 30 degrés, sans déconner, il n'y a pas un pet de nuages. Ah mais il suffit que je dise ça pour que Christophe me dise qu'il y a des nuages qui arrivent. Franchement ça m'arrange, ne serait-ce que pour les photos. Et pour l'ombre que ça va nous procurer aussi. Parce que là pour l'instant on traverse une forêt, mais bientôt c'est terminé. On vient de se poser un peu à l'ombre de cette magnifique forêt. Elle est classe. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on en chie? On peut dire qu'on en chie, ouais, ce serait le mec qui me dit qu'il en chie pas. Je vais vous donner les premiers chiffres. Premier chiffre, 356 de dénivelé pour 1 km. Ouais, ça grimpe pas mal. Ça grimpe sec, il fait 30 degrés. Heureusement, on a un tout petit air. Ouais, mais... on a trop de merdier comme d'hab. Ouais, mais encore que j'en ai quand même moins que d'habitude. Enfin, le truc, c'est que par rapport au lac des Lignes, j'ai réussi à bien vider le sac. Et je me suis juste chargé en plus, parce que j'ai rajouté la GoPro plus deux objectifs. Donc forcément, ça recompense ce que j'ai économisé. Mais c'est chaud quand même. Bon alors, j'ai troqué le Fuji X70. J'ai fait un petit système pour qu'il y ait un son à peu près correct. Pour que vous bénéficiez quand même du grand angle de la GoPro. On va s'arrêter là pour pique-niquer. Peut-être faire une pause lente, mais la lumière est très dure, donc je verrai. Et vous entendez au bruit, je suis obligé de parler fort. Parce que on essaie de s'arrêter là donc pour casser la croûte. Et ma foi, le spectacle est au rendez-vous. Regardez-moi ça. C'est bon ça. Y'a rien là. Sans déconner. Y'a bon ou y'a pas bon? Y'a bon, c'est pas pire, mais... Putain. On a trouvé de l'eau. Peut-être même faire une petite baignade tout à l'heure. Hein. N'allons pas mourir de faim. C'est pas le moment. J'ai même plus de force pour le couper. Quelle bonne idée, disons, au niveau de l'artère fémorale. Mais quelle bonne idée je viens d'avoir, dis donc. Ouais, comme ça que les conneries commencent, hein. C'est comme ça. Hein. Et une connerie arrive vite, très vite. Ça fait du bien. Objectif, ne pas tomber. Moi je parle, mais j'ai l'ami Christophe qui a sorti le trépied. Hein. Ah, il rigole pas, l'ami Christophe. Il est là pour faire de la photo aujourd'hui. Hein.
première fois que j'ai fait une rando, je crois, aussi compliquée. Alors il y a, ça fout un peu la honte parce que il y a des gamins de 6 ans qui montent là. Et bon, ils sont jeunes, ils ont pas de sac, alors merde. Hein. Alors, sans déconner, c'est dur. Si jamais vous voulez faire cette rando là, surtout celle qu'on veut faire, nous, c'est plus de 1000 de dénivelé. Mais le problème, c'est que la première partie qu'on n'a pas fini là encore avec l'ami Christophe, elle te casse les jambes. C'est là, on est à 2 km pour l'instant pour 500 de dénivelé. 2 km 500 de dénivelé, je sais pas si vous imaginez un peu. Alors il y a pire, il y a beaucoup plus doux aussi. Là, c'est un mur que tu montes. Donc c'est compliqué. Par contre, putain, le paysage, il est extraordinaire. Là, ça, t'as de l'eau de partout. C'est exceptionnel, c'est magnifique. Allez, normalement, on arrive bientôt au premier lac, qui sera le lac Miroir. Et sans déconner. Est-ce que ce serait pas le début de la récompense là? Je sais pas si vous voyez là. Ça fait une petite prairie. Oh, putain, pour bivouaquer là. Quand tu dors là-dessus, c'est du velours. C'est magique. Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Et regardez, juste vous montrer une chose. Alors, camping sauvage. Camping sauvage et feu interdit, bivouac autorisé. Alors, pour les petits malins de la marée chaussée qui viennent mettre des amendes, il faut expliquer la différence entre un bivouac et un camping sauvage. Camping sauvage, c'est quand vous montez votre camp et que vous le laissez plusieurs jours, que vous restez plusieurs jours au même endroit. Un bivouac, c'est que vous êtes à plus d'une heure d'une route et que vous posez votre tente de 9h. De 19h à 9h. Voilà. C'est à 9h, vous avez fait votre pactage et vous partez. Ou tout du moins, vous avez posé votre tente. Votre tente est à plat, etc. Voilà la différence. Et vous pouvez vérifier. Hein. Absolument partout, sur les sites du Mercantour, il explique très très bien. Je trouve que c'est très transparent. Et là, ma foi, là aussi. Voilà. Ça va être bon. Mais qu'ai-je fait? Je suis torse poil. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Oh, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ah, j'ai mis mon t-shirt au soleil là parce que il faut bien qu'il sèche. Hein. Mais oh là. Ah, je suis mort. En tout cas, on a de la chance parce que le ciel est vraiment avec nous. Et ça, pour les photos. Ben c'est juste top de chez top. Donc on est très très heureux. Alors je vais vous dire où on en est. On a fait
Christophe, t'écoutes bien? Vas-y. On a fait 2,5 km à peine. Non, mais je redescends. 2,5 km, j'ai comme du bruit. 2,5 km. Mais on a fait 564 mètres de dénivelé positif. C'est énorme, je trouve. Ouais, mais ça suffit pas par rapport à ce qu'on a prévu. Oui, mais 564. Ouais, c'est bien. Sur 2,5 km à peine, je trouve ça. C'est énorme, c'est trop. Pour vous dire, hein, normalement sur une rando de base, si je suivais seulement le truc de le viso rando ou le truc classique, la boucle jusqu'à Sainte-Anne, il y a 771 de dénivelé, donc on a juste 200 de plus. Il y a 11,6 km. C'est-à-dire que une fois que tu as passé ce mur, c'est une caresse. Sauf que nous, je sais pas si c'est ce qu'on va faire. Hein. Parce que nous, on a prévu de faire un troisième lac. Et un peu plus pour monter à 2007. Minimum 2007. Oui, mais ouais, y a de, là où y a, on va choper la neige, on peut faire une bataille, il y a de la neige encore. Après, j'avoue que j'étais tenté par un 3002, mais... Mais non, clairement, trop chargé, je vais pas avoir envie. À moins que vraiment on arrive à se poser, à caler le camp à un endroit. Oui, oui, mais et tu vois, et que tu vas en douceur, parce qu'une fois que tu cales le camp, et puis voilà. Et tu vas en douceur, et puis pourquoi pas. Mais là, à l'instant T, là, non. Ouais, quand on va redémarrer non plus, t'auras pas envie. Bon. Pas de fruits secs. On prend des forces. Et pour information, pour que vous ne soyez pas surpris, parce que c'est marqué nulle part, le lac Miroir est à 630 mètres de dénivelé. Ce qui veut dire que là, on s'est farci 2,7 km, 630 mètres. La vérité, c'est trop. Pour moi, je trouve que ça fait beaucoup. Ah, les jambes, ça. Les jambes, ça les casse bien. Mais je vous présente tout de suite le lac Miroir. Bon, pas si miroir que ça, puisque... Il y a des vagues. Le vent s'est un peu levé. D'ailleurs, on avait chaud, on aurait presque frais là. Donc, comment ? Mais il y a du monde. Hein. On sait, c'est post-Covid, c'est tout ce qu'on veut, mais elle est très fréquentée. Et on est parti en semaine, nous. Alors là, c'est un jeudi. Nous sommes un jeudi. Putain, dès que t'as le soleil, ça y est, ça retape. C'est terrible. Il n'y a pas de juste milieu, bordel de merde. Mais ça faisait longtemps que t'avais pas marronné, dis donc. Bon, peut-être essayer quelques pauses lentes pour justement figer le mouvement de l'eau et arriver à obtenir cet effet miroir. Va-t-on y arriver? Telle est la question. Le lac Miroir qui aujourd'hui n'aura pas vraiment miroir aujourd'hui s'il n'y a pas de vent, parce que là on dirait pas, en fait il y a, là pour nous là on dirait qu'il n'y a pas de vent, mais en fait il y a une légère brise et ça draine de la merde. Voilà, donc résultat, c'est miroir que dalle. Donc soit on a la possibilité de le faire demain matin, donc de revenir sur nos pas, mais bon, c'est pas prévu à la base, surtout que là on commence à être menacé par des orages qui n'avaient pas été prévus, et c'est comme ça la montagne, c'est toujours
très 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 changeant. Donc là en fait on part direction le lac des Rouites. Donc c'est le deuxième lac, lac plus petit, et on pense peut-être y installer notre bivouac ce soir, donc on verra bien. On verra bien. Ça dépend comment on arrive à se motiver dans la rando. Voilà, sachant qu'il faut qu'on ravitaille parce qu'on n'a pas d'eau. Pas assez. Allez. Alors, mission ravitaillement couronnée de succès. Eh oui. La rivière coule. Alors vous allez me dire que je gueule, mais je sais que je gueule beaucoup, mais il y a des comportements, comportements de l'homme m'exaspèrent, et c'est pour ça que souvent je perds foi un peu en l'humanité. Vous avez vu tout à l'heure le feu de camp que je vous ai... Enfin, non, justement, le panneau que je vous ai monté tout à l'heure, où je vous disais feu de camp interdit, camping sauvage interdit, bivouac autorisé. Eh ben il y a des... Et là, alors je vais me biper, mais il y a des... Bon, ben, ce sera bipé, hein, évidemment, mais... Eh ben, il y a tout simplement des petits malins qui ont rien trouvé de mieux que de faire des feux. Et après, à cause de ces comportements-là, eh ben, ça devient de plus en plus compliqué de faire des bivouacs. Et puis en fait on est mal vu à cause de gens bêtes, voilà, bêtes. Là on a vu un truc, là il y a des mecs qui remontent en fait, faut pas porter leur sac. C'était quoi? C'était des mulets. Donc en fait il y a une randonnée en mulet qui se fait. Dans l'absolu ça a l'air bien sympathique. Non mais il faut qu'ils délimitent un enclos, un périmètre, machin pour les mulets. Et derrière, ça prépare un feu. Allez, moi je suis vert, hein. Je suis vert quand c'est comme ça. Je suis vert. Mais là où je suis content par contre, c'est que direction lac des Rouites, qui est moins prisé que les autres, que les deux autres lacs, le lac Miroir et le lac Sainte-Anne, eh bien, c'est un peu plus sauvage. On a pris un petit sentier tout à l'heure, super sympa. C'est balisé, vraiment très simple. Voilà, on a pu se ravitailler en eau, on sait qu'on peut se ravitailler là. Et on va... Là, je crois qu'on a, 30 bonnes minutes de marche avant d'y arriver. Et puis, après on sera bon. Hein. Et on a une superbe vue. Alors, niveau photo, on a été un peu déçus, hein. On n'a pas été gâtés pour au lac Miroir. Déjà parce que ça se reflétait pas, comme je disais tout à l'heure. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Par contre, il y avait tellement de contraste de malade que j'ai tenté de braqueter un peu, mais je sais pas ce que ça donnera en post-prod, mais je suis pas satisfait de ces premiers clichés. Bon. On verra par la suite. Cette nuit, c'est une nuit à lune, puisqu'on a, on va avoir une lune à 3/4. Donc ça peut faire une jolie nuit étoilée. Ça renvoie lactée, mais une jolie nuit étoilée avec les montagnes qui seront allumées par la lune. Donc ça peut être vraiment vraiment cool aussi. Voilà. Et le vent recommence à se lever. On a bien baissé en température et je vous avoue que ça fait du bien. On respire là. Là on respire. Là on est à quoi, 2300 mètres. Il nous reste 100 mètres. 100 mètres à faire. Pour le lac des Rouites, le lieu potentiel du bivouac. C'est pas sûr encore, on verra bien. Et j'espère que vous appréciez la vue. Enfin, vous voyez pas grand chose, mais... Mais purée que c'est beau. Thank you.
Voilà. Nous voilà arrivés au lac des Ruites, à 2400 mètres. On voit les neiges derrière. Là, on ne dirait pas, là, mais ce pic là qu'on voit, là, il est à 3000 mètres ou 3200 mètres. Et ça vente. Ça vente. Et on va avoir une... Alors l'inconvénient, le soleil va se coucher là, donc pas de coucher de soleil ce soir. Ça va être un peu compliqué là. On va avoir quelques lumières, je pense, grâce aux nuages. Mais on n'aura pas mieux. Par contre, beau lever de soleil en perspective de l'autre côté, du coup, demain. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, bien arrivé. Rando très difficile. Enfin, pour moi, personnellement, c'est compliqué. On est à... On a fait 900 de dénivelé aujourd'hui. 900 de dénivelé, c'est trop. C'est trop. Enfin, sur une journée, avec tout le poids, tout le matos et tout, c'est vraiment tendu. Et surtout que c'est 900 de dénivelé, écoutez bien ce que je vais vous dire, pour 400 km, pour 4 km. Donc 900 de dénivelé, 4 km. C'est tendu. On a vu pas mal de trois marmottes, donc c'est pas dit qu'on soit pas. Qu'elles viennent pas nous dire bonjour ou bonsoir. Et voilà quoi. Donc maintenant on va monter le camp et on va un peu savourer tranquille. Parce que je crois qu'on l'a bien mérité. Je commence un peu à avoir mal au crâne, donc je pense que c'est un peu la déshydratation. Il va falloir que je continue à boire. Mais pff, c'est. C'est beau. T'as un changement d'ambiance, hein? C'est ça la montagne aussi. Alors, lac des Ruites ici, ok. Je vais faire quelques photos là, je vais voir un petit peu si ça peut donner quelque chose. Le bivouac est installé. Voilà. On va se faire une petite expédition. Et là, j'ai sorti le petit sac mule. Ah là, c'est mieux là, le sac mule. Et attention, le détail qui tue. Attends que je sais. Ah. Ça, c'est de la rando. C'est la dernière fois déjà, c'est une tradition. Attends que chaussette. À l'allemande. Ou à la parisienne. Vas-y, qu'est-ce que tu me disais? Je dis que entre les chutes de pierre et l'orage qui s'amène, on va passer une bonne nuit, une très bonne nuit. Ouais, alors comme disait Christophe, c'est pas dit qu'on passe la meilleure des nuits. Déjà parce que ils n'avaient pas prévu d'orage, mais là il y en a un qui s'annonce. Alors il est encore loin, donc faut espérer que ça s'éloigne. Et autre chose, on est quand même relativement loin du massif là. Il y a 500 mètres hein. Non. 400 mètres. 450. Et en fait il y a beaucoup de chutes de pierre. Alors en fait on les voit pas parce que c'est de l'autre versant que ça tombe. Versant le plus chaud. Puisque c'est le soleil il tape de l'autre côté. Il tape pas sur cette partie-là, le soleil. Donc, versant plus chaud, plus exposé au vent là-bas aussi, de l'autre côté. Le soleil, ça dilate la roche. Ben, le soleil dilate la roche, mais c'est plus venté de l'autre côté. Puisque le vent, il vient dans ce sens, qui est comme ça. Donc, résultat, on entend des chutes de pierres de malade. Mais de malade. Fort heureusement, rien de notre côté. J'ai juste envie de dire, pourvu que ça dure. Au moins jusqu'à demain qu'on soit barré. Après, il peut se passer ce qui peut se passer, on s'en fiche. Après, on note quand même un côté rassurant sur le lieu, c'est qu'il y a beaucoup de spots de bivouac. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui ont fait des feux, alors que c'est interdit. Là, je me trouve pile en face. Voilà,
Donc, no comment, j'en ai déjà trop dit tout à l'heure. Et voilà quoi. Bon, par contre, je suis un peu surpris parce que on est à 2004, ce qui c'est pas très haut, 2400 mètres. Mais j'ai un mal de crâne, j'arrive pas à me le faire partir depuis qu'on est arrivé. Alors, je pense qu'il y a le. Franchement, je sais pas si c'est l'altitude. Parce que ouais, moi je viens de la Méditerranée, moi, il n'y a pas de montagne. Hein. Je suis au niveau zéro, moi. Donc là, avoir. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est l'effort qu'on a fourni aujourd'hui qui était franchement beaucoup plus costaud que le lac des Ligniens. Absolument aucun rapport. Le lac des Ligniens, on l'a quand même fait. 10 bornes, 700 de dénivelé l'année dernière, on était rincés, dans tous les sens du terme, parce qu'on s'est pris un bel orage, mais ça va, ça allait, franchement ça allait. Là j'ai du mal à reprendre mon souffle. Il est 19h passé, donc on va essayer d'aller faire quelques photos. Histoire de profiter du calme. Qui est revenu après tout ce monde que nous avons vu aujourd'hui. C'est vrai que c'était chargé. L'avantage, c'est que voilà, là ici, on est dans un coin beaucoup plus sauvage, donc plus propice à la photo et à se ressourcer aussi. Être un peu au calme, ça fait du bien. Alors, ah, il y a des bébés. Pascal, ouais. Des bébés. Il y a un bébé, ouais. Putain. On va attendre un peu que ça ressorte. Alors là, on essaie de pas trop faire de bruit. Ils sont à quoi là, 20 mètres? 10 mètres? Non, il y a 20 mètres. 20 mètres, hein? Qu'est-ce qu'ils ont là? En fait, il y a des marmottes. Et la mer, enfin, supposée, elle est grosse comme un patou, quoi. Elle est énorme. Je sais pas si vous entendez dans le micro, mais ça gronde. Des moustiques, putain, t'en as 3 sur le chapeau, je viens de me perdre. C'est des moustiques? Ouais. Ah putain, chier. Bon. Alors pour l'instant, ils sont rentrés, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller continuer à pas faire de bruit. On va aller marcher, on va aller sur l'autre versant pour faire quelques photos. Et sur le chemin du retour. On essaiera de prendre un petit peu de hauteur pour essayer de les voir. C'est pas des photos de folie, hein, des photos de marmottes. Mais j'aime bien comme animal. J'aime bien. Et là, c'est là où on fait dodo ce soir. Si je me motive, je reviendrai ce soir pour faire des photos de nuit de toute cette vallée. Incroyable, magnifique. Maintenant, on va essayer de faire des photos de fin de journée avec ma foi une putain de vue. Et en plus on a du contexte dans le ciel, tu vois. Ça c'est bien. Dès que t'as des nuages comme ça, j'espère juste que cette nuit il n'y aura pas de nuages par contre. Parce que si y en a, c'est pour les photos d'étoiles, c'est un peu moyen. Bon. Commencez à avoir de plus en plus de vent. Je suis sur une crête, donc forcément ça. Ça fait beaucoup plus de. Enfin, c'est encore plus venté. Le col que vous voyez derrière moi là, qui est à un bon kilomètre, je viens de voir la première avalanche mélange neige-pierre de ma vie. C'était juste incroyable. J'ai pas eu le temps de la filmer. J'ai vu un bloc de pierre mais s'élever dans les airs comme si c'était.
c'est un bloc de plusieurs tonnes. Et il s'est levé dans les pierres comme si c'était juste une vulgaire poupée. C'est hallucinant. Hallucinant. Alors encore heureux que nous, du côté où on est, on n'est pas exposé de cette façon. Parce que là-bas, c'était incroyable. Incroyable, incroyable. Je commence à avoir froid aux pieds. En même temps, en tongs, peut mieux faire. L'ami Christophe commençait à avoir vraiment froid, donc il s'est barré. Et moi, j'espère que les photos sont réussies parce que j'ai tenté un peu des prises de faire des panoramas au 28 mm. Alors, je suis pas sûr que ce soit oufissime, que ça crée pas un peu trop de distorsion et du coup ça ne fonctionne pas. Bon, j'espère que le contenu vous plaît toujours autant. Bon, par moi c'est un peu chiant parce qu'il faut sortir le matos et tout, donc c'est un peu lourd, mais bon, c'est toujours aussi kiffant. Quelle joie, quel pied. Il est 19h41. Effectivement. Et tu sais ce que je crois, c'est qu'on va se faire à manger. Ouais. On va aller se pioter. Ouais, mais moi je vais pas faire un tard. J'étais en train de me dire à 10h, moi je suis au lit. Je vais pas faire long feu parce qu'en plus si je veux me relever dans la nuit pour aller faire des photos de nuit justement. Alors je sais pas si je me mets un réveil ou pas du coup, parce que ça se trouve je vais dormir, mais alors. Comme une caillasse. Ah. Bon, alors qu'est-ce que tu manges toi ce soir? Moi c'est... Montrons-leur ce qu'on mange. Aligo Aveyronnais et tout. Voilà, de la marque MX3. Voilà. Je vais tester ça, mais il paraît que c'est une tuerie. Alors putain, j'hésite. T'as encore pris trop. J'en ai pris deux. J'en ai pris un pour demain. Ah ouais, ouais. Pour demain midi, parce que demain midi, normalement, on prend pas le lyophile demain. Le midi. Ouais. Et moi j'ai eu envie d'en prendre un et je vois que t'as fait la même en fait. Et en fait non, moi j'ai que des desserts. Après j'ai pas pris mon deuxième lyophile parce et que. Ça c'est quoi ça, MX3? C'est une crème au chocolat, monsieur. Attends, tu t'es pris une crème au chocolat pour ce soir? Pour ce soir ou pour demain ou pour. Ah oui, tu te mets bien mon garçon. Oui, mon ami, j'ai aussi un muesli. Ça, c'est pour demain. Je l'ai pour demain ça. Et j'ai pomme banane façon crumble que j'avais déjà goûté qui est très bien. Mais t'as trop pris là. Non, parce qu'il faut que je fasse demain midi. Oui, mais demain midi. Mais demain midi, admettons, je bouffe. T'as pas pris des sacs ce soir? T'as pas des fruits secs ou des trucs comme ça? Si, mais à gogo. Mais justement. J'ai trop pris. T'as trop pris? Ouais, mais j'ai toujours peur de manquer. Moi, bon, ben, je vais t'aider à finir. Ouais. Alors, moi, et ce soir, j'hésite. J'ai tartiflette savoyarde. Ah, ça peut être bien. À 2400 mètres, ça peut être pas mal. De chez MX3 aussi, j'aime bien franchement leur bouffe. Et si vous avez vu la vidéo sur le sac de couchage où je vous parlais du code de réduction, enfin c'est pas un code de réduction, vous avez 20€ en fait si je vous parraine. Ben, c'est là moi que je me procure les MX3. Parce qu'ils sont pas chers. Toi t'as payé ça 7,90€ en magasin? Ouais. Et moi ça coûte 5€, 5 balles. Il y a très souvent, régulièrement des promotions sur ce site. Donc tu iras? Ben, j'irai moi. Ah, j'ai déjà mon premier filleul. Ouais, bah ben déjà j'aurai 20 balles aussi moi. J'aurai 20 balles surtout. Bah ben, carrément. Alors j'hésite avec ça ou tagine de poulet à l'oriental. Ouh, je n'hésiterai pas longtemps. Celui-là, il fait mal. Ouais, mais celui-là avec. Plutôt tartiflette. Mais regarde la photo. Regarde ça, regarde ça. T'es impatient que tu vas te. Plus te casser le bite qu'avec les lardons. Je sais pas. Visuellement parlant. Qu'est-ce regarde qui les... est le plus calorique, le plus calorique ouais, exact. Moi, 587 calories pour la portion. Quand là, j'ai 601. Bah, c'est kiff-kiff. Combien, t'as 601. Mais toi, t'as rien, 580. Ça 580. Ah non, 580, bah ça va. Ouais. 580. Ouais, moi, j'ai kiff-kiff. Hein. 597, 601. Donc, c'est quoi? On va se faire
La tartiflette, la tartifle. Ouais, je la sens bien, la tartifle. Ouais, comme ça, on sera deux à schlinguer le fromage. Sous c'est l'eau. Ça. Et puis le poulet pour demain. Mmh. Voilà. Et toi, donc, demain midi, c'est quoi, tu m'as dit, toi? Ça va être des conneries, des desserts, des merdes, des fruits secs. Et donc, pour demain midi, t'as pas de... J'ai pas de salé, j'ai pas de plat, non, mais... D'accord. Bon, et attends, et puis... On va se faire, alors. Moi, pour demain, moi, j'ai le muesli au chocolat. Ah bah, le même. C'est... Ouais. Je l'ai pas goûté, celui-là. Ça, c'est à Décathlon qu'il faut le prendre. Ouais. Mais moi, je l'ai pris au lac des Lignes, hein, l'année dernière. Ouais, mais je me rappelle. Une tuerie. Ouais. C'est... Mathieu, il l'avait aussi, non? Mathieu, il avait pris aux fruits, je crois. Ouais, je crois qu'il avait pris... Mais c'est... Non, non, c'est diabolique. Hein. Ça, ça me fera mon petit déj. Ça, j'ai ma deuxième rincée. Ça, c'est pour demain, pour la journée. Tu vois? Des petits cafés, des petits sneakers. Des petits cafés, des petits trucs, voilà. Histoire quand même de tenir un peu. Parce que... Il faut bien. Parce que ça va être compliqué, là. Il fait chaud. Pas maintenant, mais... Ouais. Mais bon, dans la journée et tout, tu vois, t'as envie de bouffer quand même. Ah ben là, moi, j'ai des crocs. Ouais, bon, ouais. Il faut dire ce qu'il y a, on bouffe. Ouais. Bon, moi, je suis pas un gros mangeur, mais quand je fais des randos comme ça, mon ami... Ah non, moi, quand je fais des randos... Parce que celle-ci, elle pique plus que le lac des Lignes, ça, au niveau, niveau dans les jambes. Elle pique vraiment plus, et... Ouais. Tu vois, j'ai une petite pensée pour Mathieu, là. Parce que Mathieu, je me souviens, c'est celui qui a le plus souffert l'année dernière au lac des Lignes. Mais c'est lui qui avait le sac le plus lourd aussi. Aussi. Mais là, je pense que là, il fait ça là avec nous, il meurt. Enfin, surtout s'il est autant chargé. Ah ouais, s'il est autant chargé. Ouais. Mathieu, charge-toi moins. Charge-toi beaucoup moins. Parce que là, c'est une catastrophe, là. Ah, c'est ton saucisson, là. Ah, c'est le saucisson, là, pour l'apéro. On va se faire un petit apéro. Mais on va se gêner. Mais il manque pas quelque chose, d'ailleurs. Si, je vais aller chercher. Tu vas aller chercher? Ouais. Alors, ce qui justifie un kilo supplémentaire. Le kilo le plus utile de la randonnée, je crois que c'est celui-là. Franchement, bien alors, je vais vous dire très très honnêtement. Moi, je bois très très peu d'alcool. Vraiment très peu. Ça tombe bien. Mais pas là. Hein puis, mais pas là. La Goudale, très, très bonne bière blonde. C'est-à-dire que là, ça ici, à 2400 mètres, ah bah, ça va faire... je vais la savourer. Ça va faire mûreroi dans ta tête à toi. Celui-là, il vient de l'Ardèche. Il est excellent. Il est excellent. Bon. Monsieur. Oh putain. Essaye de pas se niquer le sac de couchage. Ce serait ballot. Oh, ça va faire du bien. Oh, ça va faire du bien. Mm-hmm. Mon ami, à la tienne, à toutes ces aventures, et à la vôtre, à la vôtre, mes amis. Bon, j'en aurais pas remonté plus, hein, même si vous étiez venus, les amis. Putain, elle passe bien. Hein. Elle est trop bonne, la Goudale, c'est une valeur sûre. Et je préfère les blondes, moi. Ouais, là, c'est bien. Par contre, une bonne bière blonde. 7-2. Mm-hmm. Bon, c'est bien pour l'altitude. Oui, bon, ton mal de tête va vite passer. Pardon. Tu vas dormir encore plus tôt. Je te dis, je mange, je dors. C'est obligé. C'est la première fois que je vais me coucher aussitôt, je crois, sur un bivouac. Là, je suis éclaté. Je vais me caler sur un petit film, là, Netflix et tout, tranquillou. Je vais me faire chier les marmottes. Ouais, mais ça capte pas ici. Mais non, mais j'ai téléchargé. Putain, c'est pas con, ça. Mm-hmm. C'est pas con du tout. Ouais, je fais 2 heures de bateau tous les jours, je peux te dire, ça me sauve la vie. Ouais, bah c'est con, j'y ai pas pensé. Tu charges 4-5 films, t'es peinard. Merde, j'ai pas pensé. En plus, t'as le petit pied et tout, c'est bien, tu peux juste bien... Eh ouais. Eh ben non. Non, je vais aller me pioter direct. Bon. On va faire chauffer tout ça. Il est bête. 1, l'attaque. Ouais, ouais. Ouais, ce sera meilleur que froid, hein, je pense. Eh oui. Le problème avec les bivouacs. Comme ça, c'est que le temps de bouffer, c'est long. Oui. On a faim, bordel. S'il vous plaît. En attendant, pour patienter. Attends, tu sais quoi? Ah non, mais si on fait ça, on va avoir trop de bestioles. Parce que j'ai la petite lampe qui d'ailleurs éclaire pas grand chose là, puisqu'il fait pas vraiment nuit. J'ai la même. T'aurais pas une petite blague?
Ben là, comme ça, ou des beautés, là. Non, non. Non. Si tu cherches bien, là. Une petite vanne. Il n'y a pas une qui te vient. Attends, tu vois, je vais ouvrir à fond, ça va être mieux. Une vanne débile, tu veux, ou quoi? Oui, vas-y, n'importe quoi. C'est Hulk qui rentre dans un bar. Hulk? Ouais. Ok. Hulk qui rentre dans un bar. Et le barman, il fait, Hulk, t'es tout vert. Il fait, putain, ma chemise et tout. Eh bien, ça te va, ça? C'est con, hein? C'est Hulk, c'est Hulk qui rentre dans un bar. Et le barman, il fait, Hulk, t'as déchiré ta chemise. Il fait, putain, je suis vert. La faire dans les deux sens. Ah ouais, ouais. C'est à ça qu'on reconnaît les blagues de qualité. Mais carrément, mais absolument. Voilà. J'ai envie de dire absolument. Bon, proposez des blagues à Christophe dans les commentaires. Ouais. Comme ça, il en raconte pire, après, hein, sur les bivouacs. J'ai pire. Hein. Vas-y. C'est comme la petite fille de beige ou non, non, on va pas faire dans le salas aujourd'hui, je suis pas d'humeur. D'accord, ça mais va très bien. Non, c'est un canard qui croise un autre canard sur une mare. Il fait coin coin à l'autre. Il fait putain, j'allais dire la même chose. C'est des blagues tellement cons, ouais. Mais ça me fait rire. Bon, toi qui as comparé. Manger autour du poteau comme ça. Oui, c'est vrai, c'est cool. Ça va me bloquer, merde. Bon, ça passe, hein, mais... Ouais, après, c'est pas... Après, c'est pas de la grande gastronomie. Hein. Non. C'est pas fait pour, de toute manière. Non, non, bah non. C'est fait pour te caler, que tu dormes bien après. Ouais, d'ailleurs, il rajoute du somnifère, je pense. Ouais, je pense. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, quand même. Ouais, moi, pareil, j'en peux plus. Et là, en fait, ça cale. Donc, c'est... Ça respecte le contrat. Ah ben... Moi, je peux manger deux fois avec ça. Bon, c'est bien beau de voir des mecs qui bouffent là, hein, mais maintenant on va bouffer tranquille, nous. Hein. On va vous montrer les mecs qui boivent aussi. La vôtre. C'est déjà. Tu vois la savoure, hein, je suis même pas à la moitié encore. Et mais je crois que ça se réhydrate surtout dans le bide, ce truc là, parce que c'est en train de me faire gonfler. Ça fait gonfler le bide. C'est clair. En fait, on aurait plus vite fait d'avaler la poudre et après. Et de ça, voir derrière, de oui. De boire de l'eau bouillante. Tu as raison. Salut à tous. Alors, il est minuit. C'est pas la meilleure heure forcément pour photographier les étoiles, etc. Mais on se dit pas non plus. De toute manière, vu qu'on est en trois quarts de lune, je pense pas qu'on aura vraiment mieux en fait à 3h du matin. Donc en fait, je me suis réveillé là tout seul à minuit. J'ai regardé le ciel, plutôt étoilé. Quelques voiles nuageux, donc je me dis bah, c'est plutôt maintenant qu'il faut faire déjà quelques photos, ce sera déjà pas mal. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que on s'est habillé. L'ami Christophe il est en train d'arriver et je vais, on va faire tout simplement ensemble quelques photos de ciel avec. On espère un peu le paysage, etc., qui va être illuminé par la lune. On va faire des photos de nuit étoilée, tout simplement. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, en tout cas, la sieste de 2 heures a fait du bien. Voilà. Allez, à plus.
pareil et sans surprise. Pas de micro, donc directement vidéo réalisée avec le micro interne. On a décidé de se poser. On a une vue vraiment, vraiment pas dégueu. Et je trouve le moyen. Je sais que je fais une connerie. Je le sais que je fais une connerie. Je le sais. Ah ouais, tu vas en chier. Hein. Parce que là, je vois ce que tu vas dire. Je vais en chier grave. Mais en fait, je suis en train de me préparer à manger. Il se trouve qu'il me resterait un Yofi. Et si vous avez bien suivi hier, qu'est-ce qu'il me restait comme Yofi? Couscous. Ouais, pour redémarrer la rando, ça va être nickel. Je te filme au redémarrage là dans la montée. Surtout que tu vas le regretter ton couscous. Quand on redémarre, il y a une montée mais directe. J'espère juste que tu vas suer de la semoule. J'espère juste que ça remontera pas beaucoup parce que sinon je vais la vomir. Hein. Ça il faudrait éviter quand même. Moi je pourrais pas, je te dis je peux pas redémarrer après. Mais je le tente. Je le tente. Il me fait de l'œil ce couscous. Voilà. Est très très capricieux, je pense que là il vit ses derniers instants, donc évidemment il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas pu tourner avec, donc la fin de la rando du coup elle a été assez expéditive niveau vidéo, rando très très compliquée, j'ai plus les chiffres en tête là, mais une rando un peu 1007 plus, ouais, attendu 1749 de dénivelé positif, 1783 négatif. Un départ à 1739 mètres d'altitude jusqu'à 2494 mètres. Donc autant vous dire que là, on est mort. Franchement, elle était vraiment technique. Technique et physique, ouais. Là, je suis très très fatigué. Je suis allé mettre les pieds là, à la flotte parce que j'ai les pieds qui avaient gonflé. Ah. Donc toi aussi d'ailleurs. Ouais, pareil. Donc ça nous a fait du bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser sur un petit clip de quelques images que j'ai pris ici et là. Et c'est un peu comme si vous viviez une partie de cette rando avec nous. Voilà. Je suis désolé encore pour le son. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse autant de caprices. Et là, pour tout dire, c'est la deuxième fois que je tourne l'outro, donc je ne sais pas si ça va encore fonctionner. Allez! Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Hop. Que vous ayez un réflexe, un bridge, ou même un compact. Le plus important, shooter. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.